Salut à tous, très cher public de la Obscure Clan, c'est Clémy78, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous faire plaisir les amis. Avant de vous parler de ce petit sujet, donc ça fait pas mal de temps que je vous ai pas commenté une petite vidéo sur l'Obscure, donc je vous ai préparé un petit sujet assez intéressant qui j'espère va vous faire plaisir. Comme je vous l'ai dit avant de présenter ce petit sujet, je tenais à vous présenter le gameplay qui est tout simplement monstrueux de la part de Arkham. Une double nucléaire, la première à la Razorback et la deuxième à la VMP, vous l'aurez compris, sur la map Combine. Donc il était en groupe de deux, donc franchement un très beau gameplay pour voilà un petit groupe tranquille. Il s'est posé, il a tout simplement massacré ses ennemis. Un grand respect à lui. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler d'une exclusivité qui voilà a été cachée et que des Américains ont pu trouver. Franchement un grand respect à eux. Sûrement un nouveau personnage qui pourrait avoir déjà existé dans les anciens opus de Call of Duty. Un perso ennemi de la campagne, un équivalent du mastodonte de MW3. Aujourd'hui je vais me baser un petit peu sur des hypothèses car je n'ai pas vraiment d'affirmation à vous donner qui serait remis dans Black Ops 3. À un moment de la vidéo, je vais vous mettre une petite scène qu'un Américain a pu réaliser en mode studio. Donc je vous le mettrai sûrement à la fin de celle-ci, où vous allez voir à quel point c'est complètement fou. Une petite faille qui a été laissée glisser par Treyarch. Donc on va voir à quel point c'était 4 ou 5 Américains qui se baladaient dans le mode studio et qui ont réalisé un petit truc. Ils se sont mis sous la map et à un moment donné, on va voir une tenue tout simplement du prochain personnage de ce Black Ops 3 qui sera sûrement un mastodonte. De toute façon, je vous mettrai quelques images que vous pourrez voir et vous donner votre propre opinion. Donc franchement c'est assez fou quand même de voir à quel point des petits trucs comme ça sont glissés. Donc qui sera appelé 54 Immortals, ce DLC il me semble, où on pourra peut-être voir ce mastodonte là équipé d'un exosquelette au-delà ligne lourd en leur fournissant une protection complète du corps. Ça m'a fait peur très clairement quand j'ai lu ça. Donc j'espère que ça sera un spécialiste et non pas le personnage qui sera surpuissant comme ça, qui sera... J'ai peur qu'il soit plus fort comparé aux autres personnages de Black Ops 3. Une combinaison qui va résister à pas mal de dommages. Leur armure est également résistante aux explosifs. Donc voilà, en espérant que ça soit pas trop cheaté. Quand on voit ça, on voit qu'il est résistant aux explosifs, aux balles. On voit également qu'il enchaîne pas mal d'ennemis à la fois. Mais voilà, il a des déplacements beaucoup plus lents comparé aux autres spécialistes. Car on peut voir comme quoi c'est un mastodonte, hein, très clairement. On a pu tester d'anciens mastodontes dans anciens opus de Call of Duty. Comme dans Ghost, il me semble, on avait la possibilité de tester un mastodonte. Donc il sera très souvent équipé de la BRM. Donc voilà, la BRM c'est une grosse sulfateuse, c'est dans les fusils mitrailleurs. Il patrouille le champ de bataille à un rythme tranquille, donc voilà des déplacements assez lents comme un mastodonte tout simplement, tout en supprimant leurs ennemis. Donc il aura vraiment de très très gros dégâts. Donc il va pouvoir également subir pas mal de dégâts sans mourir tout simplement. Et clairement ça m'a fait peur qu'il soit trop cheaté, qu'il soit voilà surpuissant, trop dur à tuer et qu'on se fasse fumer très bêtement en série. Et ça serait vraiment dommage. Après voilà, c'est que des suppositions car on n'a pas encore pu le tester. Ça se trouve il sera très équivalent comparé aux autres ennemis ou voilà, on sait pas encore sur quoi on peut se baser. Voilà, personnellement donnez moi votre avis quand même de ce que vous pensez, de ce que ça va pouvoir donner ce personnage là. Si vous pensez que ça va être le mec surpuissant qui va tuer tout le monde, qui va voilà avoir des dépassements assez tranquilles, qui personnellement on se base que sur des suppositions comme je l'ai dit les amis. Donc voilà, ça faisait pas mal de temps que je vous ai pas proposé un petit commentaire sur l'Obscure. Ça fait super plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le gameplay de fin que les Américains ont pu réaliser. Donc c'est complètement fou, clairement je vais vous donner un petit peu voilà ce qu'on peut voir. C'est le mec va tout simplement se glisser sous la map. Il va dans la map Aqua, je tiens également à préciser. Donc voilà une map du DLC. Et là on voit à quel point que Treyarch font pas trop attention. Là ils ont glissé une petite faille. Et là on voit le personnage, enfin du moins la tenue. Et ça c'est complètement fou. En espérant que cette petite vidéo vous ait fait plaisir à vous. Très cher public de l'Obscure, c'était Clémy. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et salut tout le monde.